Alors, j'ai quitté mon ex, il y a plusieurs raisons. Déjà, j'ai rencontré mon compagnon, donc j'ai été infidèle. Ah oui. Quand tu étais avec lui. Et oui, quand j'étais avec lui, ouais. Donc, c'était une des raisons. Non, mais je pense que c'était plus un tremplin. Sinon, mes parents l'aimaient pas. Donc... Alors Agathe, pour quelle raison tu as quitté ton ex ? Parce qu'il grandissait moins vite que moi. Il y a un moment où les filles, on devient un peu plus mature. Donc c'est pour ça, j'ai juste quitté pour ça. Tana. Fanny. Fanny, magnifique couple, comme vous pouvez voir. Très très beau couple. Donc on va commencer par Fanny. Fanny, pour quelle raison tu as quitté ton ex ? Fanny. Elles sont tellement belles, je suis au paradis. Avec deux princesses comme ça. Vous voulez pas un jour qu'on essaie un truc Non, mais j'ai pas parlé de sexe tout de suite. Non. Non, mais juste de parler, ouais. Vous connaître. Vous êtes tellement intéressante. Non, je rigole. Là, vous avez pas le temps. Donc, première question. Bonjour. Ouais. Les autographes, c'est à partir de 19h. Là, je peux pas en plus avec ton homme. Ah. Donc, première question. Oui, parce qu'on se connaît en fait. Donc, première question. Vous avez vu la popularité que j'ai, c'est ça qu'on est beau. Donc, pour qui, quelle raison tu as quitté ton ex ? Trop narcissique, trop égocentrique, c'est à peu près la même chose. Et ça collait plus. Voilà, ok, c'est raison. Voilà, et toi ? Parce qu'on n'avait pas la même vision des choses. Moi, c'est parce que mon ex, du coup, les sentiments que j'avais pour elle au départ se sont transformés en sentiments que tu as pour un pote. Donc, ça va être compliqué. Ah ouais. Pas tous, c'est à tout à l'heure, c'est Fouvis, donc je suis avec. Agathe. Donc Agathe, magnifique Agathe avec des jolis yeux verts, vert bleu, vert ou bleu ? Marron. Ah bah tu vois, je vois rien du tout. Toi j'ai l'impression que c'est les lunettes qui font ça, d'accord. Alors Agathe, pour quelle raison tu as quitté ton ex ? Parce que il grandissait moins vite que moi. Il y a un moment où les filles on devient un peu plus mature, donc c'est pour ça. J'ai juste quitté pour ça. Et donne-moi un exemple. Parce que c'était un enfant, quoi. On est un petit peu de temps en temps la maman dans le couple, oui. Et bon, au bout d'un moment, on finit par lâcher l'affaire. Il prenait pas les décisions. Tout. C'est ça. Et puis j'aime bien quand on prend des décisions aussi. Et au lit, ça allait ou il était aussi mou ? Non, ça se passait pas trop mal. C'était correct. C'est correct. Moi, okay. Bon, ça va. Important. Tout ça, ça joue quand même. Effectivement, ça peut quand même jouer, c'est sûr. C'est sûr. Dans un couple, ça. C'est quand même important, c'est 50% quand même, voilà, on va dire. Voilà, voilà une femme qui dit la vérité. 50%, c'est l'amour. Ouais. Ça joue les relations, voilà quoi. Là. Le tac-tac. Au bout d'un moment, c'est sûr que ça marche moins, c'est clair. Le tac-tac, ça compte. Et on a tous un côté bestial, c'est vrai ou pas ? Ouais. Mais en privé. Tout ça, un différent pourcentage, je trouve aussi, ouais. Ça va du fouet au. Voilà, c'est ça. À la caresse. Voilà. Mais bon, en général, il y a quand même, il faut que ça bouge un peu, quoi. Il faut que ça bouge un petit peu, c'est vrai que c'est sympa, on va dire. Okay. C'est plus sympa. Voilà, c'était sa réponse. Salut. Bonjour à tous. Il y a tout à vous d'être cette Louise, donc je suis avec Alexia. Alexia, magnifique Alexia, comme quoi. Avec des super beaux yeux. Je l'aime fort, mais ouais. Enfin bref, c'est. Est-ce que j'ai une chance Non, je suis pas sûre. C'est quoi, c'est l'âge? C'est j'aime trop mon homme. Ouais. Elle a un homme. Et oui, elle a un homme, mais non. Voilà. Et voilà, et tu l'aimes fort. Même si j'ai de l'argent, un bateau. Même si t'as de l'argent et un bateau. Lui, il va m'emmener à Tahiti, donc ça prend. Ah ouais. Et je peux venir avec. Dans la valise, si tu veux. Comme ça, on échange un coup. Non, j'arrête. Ça devient graveleux. On va partir sur la question, la vraie question. Alors. Quelle est la raison pour laquelle tu as quitté ton ex ? Alors, j'ai quitté mon ex, il y a plusieurs raisons. Déjà, j'ai rencontré mon compagnon, donc j'ai été infidèle. Ah oui. Quand tu étais avec lui. Et oui, quand j'étais avec lui, ouais. Donc c'était une des raisons. Non, mais je pense que c'était plus un tremplin. Sinon, j'ai quitté tout ça, mais parce qu'on n'avait pas les mêmes visions de la vie, les mêmes valeurs. Rythme. Non, si, le même rythme, ouais. Mais pas les mêmes visions. Pas les mêmes valeurs. C'est-à-dire les valeurs. C'est-à-dire juste dans notre façon de se comporter avec les gens, on n'avait pas du tout la même approche. Toi, t'étais plus festif que moi. Non, même pas. Non, je sais pas. Il est. Et je sais pas, il y a plein de choses qui viennent en fait. C'est marrant. Je sais pas. Non, mais si, il y avait quelque chose que j'aimais pas trop, j'avoue. Il se mettait jamais en colère et moi je crois que j'avais besoin des fois d'y aller un peu. De force. Ouais, un petit peu et. Oui, c'était top. Il y avait du rythme et tout. Ouais.
Oui. Non, c'était bien, non, c'était pas sexuellement, non, c'était. On n'avait pas le même. Non, je resterai sur les valeurs, non, pas les mêmes projets de vie, voilà. Ouais. Pas les mêmes projets de vie. Il voulait des enfants, pas toi. Et il voulait être prof dans une campagne, et moi je voulais voyager et faire un métier. Avec la vie et un petit peu. Oui, c'est soit vivre, c'est ça, que ça bouge, et pas s'enfermer quelque part. Ça, c'était le problème. Il y a plein d'autres choses aussi, mais ça, c'est. Une craquante, une craquante. Non, je sais pas. Genre, il avait des pannes. Non, jamais. Non, mais sexuellement, t'auras rien. Il était très bon, hein, donc ça marche. Ah ouais, carrément, c'est très bon. Mais ouais, non, c'était pas ça. Hein. Non, c'était au niveau des caractères. Ouais, projet de vie, caractère, valeur. Mais ah, genre, si. Tu lui disais, t'as. Ah si, je sais. J'ai dit, bah mes parents l'aimaient pas. Donc, c'était un peu. Pourquoi, etc. Non, parce qu'il était trop familier. Il a tutoyé ma grand-mère depuis qu'il l'a vu. Ah ouais, aussi. Okay. Pas passé. Quoi. Ah, c'était genre rock'n'roll, baba. C'est ça. Et le nouveau, ça va? Le nouveau, ça va très bien, ouais. Il fait 4 ans, donc ça. Et quand il a su que tu te trompais, il a même pas mal plu, je suis sûr. Alex, tu veux ouais, dire ouais, ouais. Ah, il le sait pas. Ah, mais t'es parti sans le dire. Ah si, je lui ai dit, mais pas pour quelqu'un d'autre. J'ai pas été honnête. Oui. Ouais. Donc peut-être qu'il le découvrira sur ça. Voilà, elle achète, comment il s'appelle? Non, je le dirai pas. Bon, elle veut pas le dire, mais voilà, on dit c'est les hommes. Tu vois, ça, c'est les femmes. Mais c'est messieurs, vrai, hein. Méfiez-vous de la femme trop parfaite. Regardez, on a dit qu'elle était parfaite. Là, on est ensemble. Ouais, mais je l'ai avoué, hein, tu vois, quand même. On aurait été parfait, ouais. On ferait un beaucoup plus, quoi, non? Ah, je sais pas, hein. Tu fais plus tonton, quand même. T'as quel âge, toi? J'ai 25 ans. Ah, mais t'as 25 ans. Ouais. Moi, j'ai 27, ouais, 2 ans, c'est tout. Un an, allez, un an et demi, mais 2 ans, non. Ouais. Ok, bah merci. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Khadija. Donc Khadija, très jolie Khadija. Khadija, pour quelle raison tu as quitté ton ex? Parce qu'on n'était pas de la même religion. T'es pas dans l'âge, j'ai pas entendu. On n'était pas de la même religion. Ah d'accord. Et donc ça n'a pas collé? Non, exactement. Et c'est quoi, il était musulman, pas toi, non? Lui, il était chrétien, moi j'étais musulmane. Ah d'accord. Donc ça pouvait pas finir malheureusement. Ah ouais, et tu voulais te marier avec lui et tout? On avait des intentions sérieuses, mais malheureusement, dire ça, j'ai dû arrêter. Mais l'amour, c'est pas au-dessus, c'est tes parents? Oui, mais c'est quand même, je suis quand même une personne qui pratique la religion, donc ce serait pas très correct et tout, et je préfère faire ça dans correctement, quoi. Ouais, dans les règles. Mais il te l'a dit du départ? Je lui avais dit du départ et tout, et il m'a dit, on va risquer, mais je me suis dit que c'est mieux que... Enfin, je vais pas non plus... Oui. T'as essayé 2 mois, et puis après t'as dit, ouais, laisse tomber. Voilà, lui, il m'a dit, je vais me convertir pour toi, mais on s'est converti pas par amour. Enfin, on le fait parce qu'on a envie de le faire. Et puis moi, je voulais pas forcer non plus la personne. Enfin, je voulais pas la mettre mal à l'aise pour ça. Ok, c'était sa réponse. Merci, salut.